Ya la 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 ya la 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 ya li la la ya la 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 ya la ya la la li la la ya la 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 ya la 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 ya li la la ya la 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 ya la ya la la li la la ya la 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 ya la ya la li la la ya la ya la ya la ya la la li la 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 li la la ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله قبل أن نبدأ المشروع نحمد الله سبحانه وتعالى الذي من علينا أن نجتمع مع إخواننا في الله في بيت من بيوته لنتذاكر عن أمور ديننا إن شاء الله لأن الله جل وعلا يقول في سورة آل عمران كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله شيخ avant de rentrer dans le cœur du sujet toujours il faut toujours être reconnaissant et remercier Allah subhanahu wa ta'ala de tous les bienfaits qu'il nous a fait. Et le plus grand bienfait, comme vous le savez tous, c'est qu'il ait fait de nous des musulmans. وَكَذَلِكَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى nous dit dans Surat Ali Imran, il a dit, j'ai fait de vous la meilleure des communautés. Non pas parce qu'on est beau, non pas parce qu'on a beaucoup d'argent, non pas parce qu'on est intelligent, pour trois choses. تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ parce que vous ordonnez le bien. وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ parce que vous interdisez le mal, parce que vous croyez en Allah subhanahu wa ta'ala. Par trois choses. Allah subhanahu wa ta'ala a fait de nous la meilleure des communautés. Donc si on veut rester toujours la meilleure des communautés, il faut qu'on ordonne le bien, qu'on interdise le mal et qu'on croit en Allah subhanahu wa ta'ala. ولهذا, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, قال في حديث الذي رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit oh vous les musulmans quiconque voit quelque chose d'interdit dans la religion qu'il essaie de l'enlever par sa main. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit si tu peux pas tu essaies de le dire par ta bouche en disant telle et telle chose, Allah il n'aime pas. Si tu ne peux pas le dire par ta bouche parce que ça va te créer beaucoup de problèmes, au minimum, il faut que ça te fasse mal ou au minimum, il faut que ça te fasse mal dans ton cœur. ولهذا, Allah subhanahu wa ta'ala, قال في سورة التوبة أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم صفات المؤمنين. قال جل وعلا المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. يأمرون بالمعروف وينهون عن ماذا عن المنكر والعكس عدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من صفات المنافقين قال جل وعلا المنافقين والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم شفاسيو ويكو qu'Allah les récompense, les responsables de la mosquée ou les imams de la mosquée, toujours, ils essayent d'appeler des frères pour faire des rappels. Ne pensez pas que ouais, mais ça ne sert à rien, pourquoi on parle, comme certains disent, le plus important c'est le cœur. Ya Allah, ce que vous devez savoir, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit dans plusieurs versets du Coran, وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ Mohammed, fais le rappel, parce que le rappel il est bénéfique aux croyants. Tout ce qu'on va dire là, il se peut qu'il y en a certains parmi vous, ils le savent déjà. Il se peut qu'il y en a certains parmi vous, ils ne le savent pas. Mais le fait de redire ce que tu connais, ça va faire que augmenter ta foi. Ça ne va rien te diminuer. Donc ne pas dire c'est muhadarat, c'est dourou, ça ne sert à rien, ils font que de parler. Nous, on ne peut que parler à rien. Ceux qui guident le cœur, celui-là qui guide le cœur, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah l'a dit au prophète, innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Donc nous, ce qu'on peut faire, c'est de parler. Le prophète, ce qu'il a fait, c'est qu'il a parlé. Maintenant, celui-là qui accepte, alayhi alhamd. كما قال الله سبحانه وتعالى في القرآن من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وقال في سورة الكهف قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر
Donc celui-là qui veut assister, fa'illa alhamd, ce sera que bien pour toi. Mais celui-là qui ne veut pas assister, qu'il ne dise pas que ça ne sert à rien. Il n'y a personne qui m'a dit ça, mais je te rappelle. Personne n'a dit que ça ne sert à rien. Mais c'est pour vous dire que ce genre de douloureux, là, c'est très très important, les frères. Car comme je vous l'ai dit, le musulman, il a besoin de rappel. Car le rappel, c'est ça qui fait nourrir ton cœur. Comme l'essence, comme la voiture, elle a besoin d'essence, notre cœur aussi, automatiquement, il a besoin de rappel. C'est pour ça, vous voyez, on fait 5 prières par jour, l'imad. Parce qu'on en a besoin. Vous voyez, entre les prières, déjà, on oublie Allah subhanahu wa ta'ala, on fait des péchés. Pourquoi les 5 prières qui sont rapprochées les uns les autres? C'est pourquoi qu'on se rappelle fréquemment de qui? D'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc les frères, il est très très important de faire fréquemment de quoi? Des rappels. Barakallahu fikoum. Pourquoi il est important aussi de faire des rappels, les frères? Parce que tu peux dire, ouais, mais moi, c'est bon, moi ce que je connais, maintenant celui-là qui suit son problème, moi je ne m'occupe pas des autres, je ne m'occupe pas des problèmes des autres. Il y en a, ils ont pensé que le fait d'ordonner le bien, al-amr bil ma'ruf wa an-nahy 'anil munkar, ba'd an-nas ittakhadhu hadha bi annana atadakhkhal fi umur an-nas. Là, ya jama'a. Que je m'occupe, je ne me mêle pas des problèmes des gens. Non, si tu ne mets pas les problèmes des gens. Au contraire, Allah il a dit qu'on doit ordonner le bien et on doit interdire le mal. Vous savez, si on ne le fait pas, qu'est-ce qui va nous arriver? Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala il va faire descendre le châtiment, il va tous nous anéantir avec, tous. Celui-là qui a mis l'alcool. Si toi, tu ne vas pas le voir en disant l'alcool, c'est pas bien, Allah, il l'aime pas. Si toi, tu te tais, tu dis rien, lorsqu'Allah, il va le châtier, il va te châtier toi avec, parce que toi, tu lui as rien dit. Ad-dalil ala hada, anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam, al-hadith alladhi rawahu al-Bukhari, an al-Nu'man ibn Bashir, qal, mathalu al-qa'imi fi hududillahi, wal-waqi'a fiha, ka mathali qawmin, istahamu ala safinatin, fasara ba'duhum a'laha wa ba'duhum asfalaha. فكان الذين في الأسفل إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. Le prophète صلى الله عليه وسلم il a dit l'exemple des gens qui ordonnent le bien et qui interdisent le mal, c'est l'exemple de deux groupes de personnes qui étaient dans un bateau. Écoutez bien. Le prophète, il a dit, il y en a certains, ils étaient en haut du bateau. Il y en a d'autres, ils étaient en bas du bateau. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ceux qui étaient en bas, à chaque fois qu'ils ont envie de boire de l'eau, ils montaient en haut pour boire. Parce que l'eau de la mer, elle est salée. Vous savez tous, on ne peut pas boire l'eau de la mer. Donc, quand ils veulent boire, ceux d'en bas, ils montent en haut pour boire. Ceux d'en haut, ils leur donnent à boire. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ceux d'en bas, ils se sont dit, mais pourquoi nous, à chaque fois quand on veut boire, on monte en haut? On fait un trou dans le bateau ici, et on boit, c'est pas la peine qu'on dérange les gens d'en haut, on monte. Lorsqu'ils vont faire un trou dans le bateau, là, qu'est-ce qui va se passer? L'eau, elle va rentrer dans le bateau ou pas? Si l'eau rentre, le bateau il va couler, il va pas couler. Ça fait ceux d'en bas et ceux d'en haut, ils vont tous couler. Voilà, le prophète, c'est pour ça qu'il a dit, ceux d'en haut, s'ils les laissent faire un trou dans le bateau, ils vont tous couler. Mais s'ils les empêchent, ils seront tous sauvés. Ça, c'est l'exemple de qui? Des savants, des prédicateurs, qui voient des gens qui sont égarés, qui voient des gens qui font des innovations, qui voient des gens qui font des shirkiyat, qui s'associent à Allah subhanahu wa ta'ala. Si eux, ils se taisent, ils disent rien, lorsque ceux-là, ils vont couler, on va tous couler avec eux. Vous avez compris le mathal que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans ce hadith-là? Donc, il est très important. Ne dis pas, ouais, mais lui, c'est pas grave, il connaît mieux que moi. Même s'il connaît mieux que toi, fais-lui un rappel, akhi. Et se peut que le rappel sera bénéfique, même s'il a plus de science que toi. C'est un être humain comme toi, il peut oublier, il peut faire des erreurs. Ne dis pas, oh, les gens qui sont égarés, c'est pas le problème, on les laisse tomber. Là, si tu fais ça, wallah, tu vas couler avec eux. Afoumada. Donc ça, c'est très très important d'ordonner nos pères, nos mères, chacun du degré qu'on peut. C'est-à-dire, ne dis pas quelque chose que tu ne connais pas. Tu dis juste ce que tu connais. Ah, moi j'ai entendu, Allah l'a dit, ça c'est interdit, c'est pas bien. Tu t'arrêtes là. Mais ne rentre pas dans des discussions que tu ne maîtrises pas. Tu vas faire plus de mal que de bien. Si tu ne connais pas, tu es un ignorant, tu n'as pas la science, tu veux parler, tais-toi. Va apprendre, ensuite tu viens. Mais ne parle pas sans science. Abadan. Malgré que tu as l'envie, le prophète a dit, fais-le par ta main. Si tu ne peux pas par la bouche, au minimum, si tu n'as pas la science, que ça te fasse mal dans ton cœur. Mafouma hada ya jama'a? Non. Idan wa ala hada, nuwasil fi mawdu'ina insha'Allah. في المحاضرة الماضية تكلمنا على الحق كما تعرفون قلنا هذا موضوع مهم جدا يا جماعة لماذا؟ أعيد لأن كثير من الناس اتخذوا الحق باطلا واتخذوا الباطل حقا
ولهذا أقول لكم دائما فلا بد علينا جميعا أن نعرف ما هو الحق يا جماعة وأن نعرف ما هو الباطل. J'ai dit, là ça fait la troisième conférence qu'on parle de la vérité, les gars. Tellement c'est important. J'ai dit, il est important pour nous les frères de savoir c'est quoi la vérité. Il est important pour nous de savoir c'est quoi le faux. Car à notre époque, il y a beaucoup de gens, ils ont pris le faux comme bon, et ils ont pris le bon comme quoi? Comme faux. Voilà, la dernière conférence quand on a parlé, on s'était arrêté où? On s'était arrêté à la sorcellerie, c'est ça? Vous vous rappelez? La dernière conférence, on s'était arrêté à la sorcellerie, d'accord? On avait parlé des marabouts qui racontent n'importe quoi dans le djinn, parce que les gens, ils pensent que ces gens-là, ils sont dans la vérité. Allez, sakadali. Donc, on a montré que ces gens-là, ils étaient dans le faux. Donc, il est très, très important de quoi? De connaître ça. Walihada, ya jama'a fa'alaykum an ta'rifu anna tawhida wa shirka duddani. L'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le tawhid, et le fait d'associer Allah subhanahu wa ta'ala et les frères, ça ne se groupe pas dans un cœur. Abadan, comprenez ça, barakallahu fikum. Quand il y a le shirk dans le cœur de quelqu'un, le tawhid ne peut pas rester. Mais quand le tawhid vient, le shirk aussi part. Tu ne peux pas dire, moi je fais le tawhid, je fais le shirk en même temps, ça ne passe pas les frères. Donc il est important de savoir c'est quoi le shirk. Il est important de savoir c'est quoi le tawhid. Parce qu'il y a certains parmi nous, on associe à Allah subhanahu wa ta'ala, mais pour nous c'est la vérité, alors que c'est le faux. وَلِهَذَا اِعْلَمُوا أَنَّ الْقُبُورَ وَالْأَحْجَارَ وَالْأَشْجَارَ لَا تَرْتَجِي الْبَرَكَ مِنْهُمَا أَبَدًا مِنْهُمْ أَبَدًا. والدليل أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إني قال للحجر الأسود إني لا أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلت. Les frères, ne pensez pas que la main de Fatma ou le fait d'accrocher, d'accord, un talisman dans ta voiture ou dans ta maison, que c'est ça qui va te protéger, ça ne va te servir à rien. Wallah, l'arbre ne peut pas parler, il ne peut pas se défendre lui-même, surtout te défendre toi-même. Le fil ne peut pas te défendre, surtout te défendre toi-même. Le talisman que tu accroches, il ne peut pas se défendre lui-même, surtout te défendre toi. Donc sachez ça, que ça c'est interdit. Walihada, la pierre, vous connaissez tous la pierre noire qui est à la Mecque, la Kaaba, la pierre noire. Umar ibn al-Khattab, un jour, il a embrassé la pierre et il lui a dit quoi? Je sais que tu n'es qu'une pierre. Je sais que tu peux faire aucun mal, tu peux m'être utile dans aucune chose. Mais si je n'avais pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'embrasser, je ne t'aurais jamais embrassé, t'es qu'une pierre. Donc, ne pensez pas que les tombeaux des gens qui sont enterrés là-bas, c'est Walillah, quand tu vas aller là-bas, ils vont régler tes problèmes. Abadan, et Alamou, sachez les frères que ça c'est de l'association, on doit s'éloigner de toutes ces choses-là. Qu'Allah nous en préserve. Walihada, falabudda na'lam jami'an kadhalika ya jama'a. الذي يذهب إلى السحرة والكهان ماذا يقول؟ يقول أنا أذهب إليهم لأنني مريض أطلب الشفاء منهم فقط. ولكن فلا بد أن تعرف يا أخي أن هذا شرك لا يجوز. Et certaines personnes, quand ils vont voir les voyants ou les marabouts ou les sorciers, ils disent ouais, moi je vais les voir, je vais pas voir pour faire du tort à quelqu'un, mais je vais voir parce que je suis malade, j'ai juste envie de me soigner, c'est tout. Ah, t'as envie de te soigner, on est d'accord avec toi. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il t'a interdit d'aller les voir. Même si t'as envie de te soigner. Donc le fait d'aller les voir, même si tu ne fais pas du tort à quelqu'un d'autre, tu te fais du tort à toi-même. Car Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a interdit l'injustice, d'être injuste. Donc le fait d'être injuste, il y a trois sortes d'injustice. Al-dhulmu thalatat anwa'. Dhulmu al-abd. Bayna al-abd wa rabbi. Wa bayna al-abd wa nafsi. Wa bayna al-abd wa ghayrihi. Il y a trois sortes d'injustice. Le fait d'être injuste entre toi et Allah, ça fait que tu lui associes. Ça, c'est interdit. Le fait que tu es injuste entre toi-même, avec toi-même, c'est le fait de faire des péchés, tu es injuste envers toi-même. Et le fait d'être injuste envers tes frères musulmans en les insultant, en leur faisant du tort. Tout ça, c'est de l'injustice qu'Allah nous a interdit. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans plusieurs ahadith, il nous a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit Ya ibadi, inni harramtu dhulma ala nafsi, wa ja'altuhu baynakum muharraman, fala tadhara. Allah subhanahu wa ta'ala dit, moi, Allah subhanahu wa ta'ala, j'ai interdit l'injustice envers moi-même. Je vous l'ai interdit entre vous, ne soyez pas injustes les uns envers les autres.
toi tu vas aller voir un voyant ou un marabout pour dire parce que tel un tel, il a sa boutique, moi aussi j'ai ma boutique, j'ai plus de clients dans ma boutique qu'en sa boutique. Tu vas lui faire de la sorcellerie pour rien. Ou bien un tel, j'ai envie qu'il divorce avec sa femme. Ou bien un tel, j'ai envie qu'il meure. Ou bien un tel, j'ai envie ci, j'ai envie ça. Vous avez jamais entendu ça? Il y en a beaucoup dans notre communauté, il y en a beaucoup. Donc sachez que ça, et à Jamar, Wallah, toi tu penses que tu es fort. Ah ouais, tu joues à ça, tu vas voir ce que je vais te faire. Nous, chez nous, on a une expression, on dit je vais te taper sans que ma main te touche. Quand quelqu'un te dit ça, je vais te taper sans que ma main te touche, ça veut dire que je vais te faire de la sorcellerie. Non, tu peux lui faire de la sorcellerie, il n'y a pas de check. Mais sache que tu es injuste envers lui, Harry. Tu l'as tué, tu as fait en sorte qu'il a divorcé avec sa femme, tu as fait en sorte qu'il est devenu fou. C'est pas par ta force, c'est à moi qu'il l'a voulu. Mais sache que demain, Wallahi, tu ne rentreras pas au paradis sans que tu ne rendes pas des comptes avec ce frère-là. Allah subhanahu wa ta'ala, ماذا قال في القرآن؟ قال فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. يوم القيامة, le jour de la résurrection, Allah subhanahu wa ta'ala dit la malédiction, elle sera sur qui? Elle sera sur les injustes. Donc, mais ce qui est encore grave, c'est que la personne qui va voir ce marabout, va voir ce voyant-là, premièrement, il lui a regroupé plusieurs injustices, c'est vrai ou pas? Parce qu'il est parti, il a été injuste envers Allah déjà, parce qu'il a fait du shirk. Il a été injuste envers lui-même parce qu'il a fait un péché. Il a été injuste envers son frère parce qu'il lui a fait du mal. Lui, il a regroupé les trois injustices, là. Donc les frères, craignons l'injustice. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit dans un hadith de Abdullah ibn Umar, il a dit qu'il y a une femme, un jour, elle est rentrée en enfer à cause d'un chat. Vous avez déjà entendu ce hadith-là? À cause d'un chat, une femme, elle est rentrée en enfer. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, parle, « Udlibat imra'atun bifi hirratin, yani fi sababi hirra, habasatha hatta matat. » Une femme, elle est rentrée en enfer à cause d'un chat, les frères. Écoutez bien, à cause d'un chat. C'est-à-dire, ce chat-là, elle l'a enfermé. Elle ne l'a pas donné à manger, elle ne l'a pas laissé sortir jusqu'à que la chatte, elle est morte. À cause de ça, Allah, il l'a fait rentrer en enfer. À cause d'un chat. Imagine-toi, une personne qui dit « La ilaha illallah », une personne qui dit « Muhammadur Rasulullah », une personne qui fait la prière, imagine-toi comment ça va être entre toi et lui. Alors que lui, elle est rentrée en enfer à cause d'un chat. Mais toi, une personne qui dit « La ilaha illallah », qui font la prière, qui jeûne, toi, c'est avec eux que tu es injuste. Imagine-toi, comment ça va se passer en prière. « Walihada, ya jama'a, falabudda u'id an na'arifa ma huwa al-tawhid wa ma huwa al-shirk. Walakin, أسألكم بالله يا جماعة لماذا هؤلاء يشركون بالله سبحانه وتعالى؟ Je vous pose une question. Celui-là qui a la réponse, qui me répond, pourquoi ces gens-là, les gens de nos familles, ces gens-là qui se disent musulmans, ils associent Allah سبحانه وتعالى. لماذا? Pourquoi? Par ignorance. Par ignorance. Quoi d'autre? نتيجة المولود الثقافي. نتيجة المولود الثقافي. ضعف الإيمان. Bafoul Iman. Les mâles. Par jalousie. Ils font du shirk par jalousie. Non. Par jalousie de quoi? La personne, parce qu'Allah, c'est qu'Allah soit en appareil. Non, si tu dis du shirk, ça veut dire tout. Ça veut dire aller voir les tombeaux, je parle de tout shirk. Ah, pourquoi les frères, ces gens-là, ils font du shirk? Non. Pourquoi ces gens-là, ils associent Allah subhanahu wa ta'ala? Les mâles. Il manque de tawhid. Les frères, vous savez pas pourquoi? Ce que vous avez dit, c'est correct, hein? Mais je veux une réponse encore plus précise. Pourquoi? Hein? Par égarement. C'est par égarement. Les frères, pourquoi les gens ils associent Allah subhanahu wa ta'ala à l'imad? Pourquoi? Non. Hein? Là. Parce qu'ils suivent leurs ancêtres. Parce qu'ils suivent leurs ancêtres. Non. Daf l'iman. Ça aide, Naya. L'iman. Taïb. As-sabab, comme vous l'avez dit, as-sabab al-akbar. Wa anna ha'ulai la ya'arifuna rabbahu. Ça rentre dans l'ignorance. La cause. Écoutez très bien ça, les frères, que ça rentre bien dans votre tête. C'est que ces gens-là, limada yushrikuna billahi, pourquoi ils associent Allah subhanahu wa ta'ala? Parce qu'ils ne connaissent pas ce qui est Allah. Ils ne le connaissent pas réellement. Wallah.
Une personne qui connaît Allah réellement, tu ne peux pas lui associer. Abadan. Donc il est important pour nous qu'on dise que nous on pratique le tawhid. Il est important pour nous de savoir Allah c'est qui. Allez sakadali. Allez sakadali. Atulidouna an asifalakum rabbi wa rabbukum. Atulidouna hada. Voulez-vous que je vous décrive mon Seigneur et votre Seigneur c'est qui? Vous le voulez? Non. Falala dhahab ba'idan. On va pas aller loin. On va aller chercher où ça? Dans le Coran. Ayatul Kursi. Écoutez bien ce verset-là. Pour vous dire, celui-là qui a compris juste ce verset-là, wallah, ça suffit. Chaque personne que vous allez voir qui adore les tombeaux, ou bien qui attache des talismans, ou bien qui égorge pour autre qu'Allah, lui, il n'a pas compris Ayatul Kursi. Vous avez vu ce verset-là qui est Ayatul Kursi? A'azamu ayatin fil Qur'an. C'est le plus grand verset dans le Coran, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit. Ce verset-là, celui-là qui le lit, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, t'es protégé jusqu'au soir. Celui-là qui le lit le soir, t'es protégé jusqu'au matin. Mais le ma'ana, c'est pas juste de le lire. C'est ça qui va te protéger. Non, il faut que tu saches ce que ça veut dire. On va essayer de décortiquer ça ensemble, Inch'Allah. Allah Jalla wa Ala, iftataha hadhihi al-aya. بكلمة التوحيد بالعروة الوثقى بالقول الثابت بكلمة التقوى الله سبحانه وتعالى قال الله لا إله إلا هو الله il a commencé par son nom Allah c'est comme si tu disais Allah d'accord mais Allah c'est qui écoute bien il va te décrire c'est qui Allah il t'a dit لا إله إلا هو il n'y a pas d'autre divinité qui est digne de t'adorer autre que lui. Une personne, elle veut dire, Naam, c'est tout, c'est que ça. Non. Et t'as dit, Allahu la ilaha illa huwa, il n'y a pas d'autre divinité digne d'être adoré autre que lui. Par cette parole-là, qui est la ilaha illallah, Allah il a créé le ciel et la terre à cause de cette parole-là. Allah il a dit, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya. Je n'ai pas créé les êtres humains et les djinns, juste pourquoi? Pour qu'ils m'adorent, pour cette parole. Wa li hada. قال سفيان بن عيينة عن تخت خيغانسا قال ما أنعم الله نعمة أعظم من أن عرفهم لا إله إلا الله. Il a dit Allah il a pas donné un bienfait à un serviteur plus grand qui lui fait comprendre qu'est-ce que ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire la ilaha illallah. Ensuite une personne peut dire c'est bon c'est tout t'as fini. Je te dis non. Allah il a dit Al Hayyu Al Qayyum. Tu veux savoir c'est qui Allah? Il a dit Al Hayyu. Ça veut dire quoi Al Hayyu? C'est lui le vivant. Ça veut dire quoi, c'est lui le vivant? Ça veut dire, ma'na al-hayy. Al-hayatul kamila bima'na la bidayata lahu wa la nihaya. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas de début, il n'a pas de fin. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne meurt pas. Un serviteur qui ne meurt pas, c'est pas lui qui mérite d'être imploré? Hein? Le Seigneur qui ne meurt jamais, c'est pas lui à qui on doit placer notre confiance? Ça fait chaque personne que tu vois, chaque chose que tu vois dans le monde, Allah a dit quoi? Kullu man 'alayha fan. Chaque chose qui est sur terre, elle va quoi? Ça va disparaître. Wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Mais il n'y a que la face d'Allah subhanahu wa ta'ala qui va rester. Donc tu veux savoir c'est qui Allah? Il t'a dit, il n'y a que moi qui est digne d'être adoré. Il t'a dit, Al-Hayyu, c'est moi le vivant. C'est moi qui meurs jamais. C'est moi qui meurs jamais. Allah l'a dit dans un autre verset. Wa tawakkal 'ala man. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ. Place ta confiance. Allah a dit comme ça au prophète. وَتَوَكَّلْ يَا مُحَمَّدْ. Mohamed, place ta confiance au Seigneur, le vivant, qui ne meurt jamais. Mamana, ça veut dire quoi ça? Ne place pas ta confiance à quelqu'un qui est déjà mort. Nous, on place notre confiance à des gens qui sont enterrés déjà, qui sont déjà morts. Il ne peut rien faire pour toi. Allah t'a dit, lui, il est vivant. Mais celui-là, il est en pleurs, là, lui, il est mort déjà. Ou même s'il n'est pas mort, il va mourir. Allah Jalla wa Ala qala al-qayyum. Il t'a dit, c'est moi al-qayyum. Ma ma'ana al-qayyum? Ma'ana al-qa'im bi nafsihi wal-qa'im li ghayrihi. Allah Jalla wa Ala al-qayyum, ça veut dire quoi? Ça veut dire Allah il se suffit à lui-même. Il n'a besoin de personne. C'est ça al-qayyum. Il n'a besoin de personne. Mais au contraire, c'est toutes les créatures qui ont besoin de lui. Allez, c'est canal?
Allah, il a besoin de personne, mais c'est nous qu'on a besoin de lui. N'importe quel roi, vous allez voir. Vous voyez pas, les rois, ils ont besoin des chauffeurs. Ils ont besoin de chauffeurs, hein? Il y en a, ils ont besoin d'une femme pour les faire à manger, non? Tu as besoin d'une femme pour qu'elle lave tes habits. Tu as besoin d'une femme pour qu'elle te donne des enfants. Allez, ça canale. Tu as besoin de travailler pour avoir de l'argent. Allez, ça canale. Mais Allah, lui, il n'a pas besoin. Ça fait ce marabout que tu vas voir au voyage, lui, il a besoin de ton argent. Il a besoin de ton argent, pas. S'il avait des pouvoirs, pourquoi il n'est pas milliardaire lui-même? Mais il a besoin de ton argent. Mais Allah, il t'a dit, si tu veux savoir c'est qui est ton Seigneur, il t'a dit que lui, il n'a pas besoin de toi. Mais c'est toi qui as besoin de lui. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas nous qu'on a besoin de son eau. L'eau là, si on ne boit pas, on va mourir ou on ne va pas mourir? On va mourir. C'est à qui l'eau? Ça appartient à qui? Allah. On en a besoin? Ah d'accord. C'est pas nous qu'on a besoin de l'air pour respirer? On a besoin, on a besoin d'air. L'air, ça appartient à qui, à Jamar? Allah subhanahu wa ta'ala. On n'a pas besoin de nourriture pour manger. On a besoin, on n'a pas besoin. D'accord. La nourriture, c'est qui l'a fait sortir sous terre? Allah. Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jalla wa ala fi surat al-Fatir. Ya ayyuhan nas, antumul fuqara'u ila Allah. Wallahu huwa al-ghaniyul hamid. Allah dit, oh vous les gens, c'est vous qui avez besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les prières que tu vas faire, tu penses que ça va servir à quelque chose à Allah? Ça ne sert à rien. Tu pries ou tu ne pries pas, ça ne fait rien. Tu pratiques le tawhid. Tout ça, ça va, les bénéfices, ça va être pour toi. Mais Allah n'a pas besoin de toi. Walihada, Allah subhanahu wa ta'ala, ماذا قال في القرآن? ماذا قال في حديث القدس? قال, يا عبادي, لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء. Allah a dit, vous les êtres humains, si depuis votre premier, depuis Adam jusqu'au dernier être humain comme djinn, si vous avez réuni toute votre piété que vous avez dans le cœur, vous l'avez mis dans le cœur d'une personne, Allah a dit, ça ne va rien rajouter à mon royaume, rien. Et si vous tous vous étiez devenus des mécréants, ça ne va rien diminuer moi. Par Moussa, ya qawmi, إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني عن العالمين. Si vous tous vous êtes mécréants, Allah n'a pas besoin de nous les frères. C'est vrai ou pas vrai? Donc ne pense pas que si moi je pratique l'islam, j'apprends, je prêche, ah moi je suis quelqu'un qui aide Allah. Tu t'aides toi-même, Afri. Allah il a dit c'est lui Al-Qayyum. Al-Qayyum c'est celui-là qui n'a besoin de rien, mais c'est toi qui as besoin de lui. C'est pour ça Allah n'a dit pas dans le Coran. Il a dit وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Il a dit, il n'y a pas une créature sur terre sans que sa subsistance, elle vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit, c'est moi qui prends cette responsabilité de vous nourrir, vous. Mais moi, je n'ai pas besoin de vous. Donc le Seigneur qui te dit que lui, il n'a pas besoin de toi. Mais c'est toi qui as besoin de lui. Pourquoi tu vas aller voir une autre personne qui a besoin de toi? Est-ce que ces gens-là, ils ont compris encore Ayat al-Kursi? Comprenez bien ces versets-là, les frères. Allah t'a dit qu'il est vivant, ça veut dire quoi? Ça veut dire à n'importe quelle heure de la nuit, à n'importe quelle heure du jour, tu te lèves, tu l'envoies qu'il est vivant, il est là, il est présent. Dans n'importe quel problème que tu peux être, Allah t'a dit je ne meurs pas, je suis vivant, je suis là. Dans n'importe quelle galère que tu peux être, Akhi, l'envoie qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le vivant, c'est lui seul qui peut régler tes problèmes. C'est ça la vérité, les frères. Si vous voulez savoir la vérité, c'est ça la vérité. Allah Jalla wa Ala Mada Qal. Pour montrer encore, حتى نعرف أننا المحتاجون إليه الله جل وعلا قال إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولا إن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. الله الذي سي الله qui tient les cieux et la terre. Vous voyez la terre là, est-ce que vous voyez un pilier qui la tient, les cieux? Vous voyez un pilier qui tient les cieux? Non. Vous voyez rien? Allah il a dit c'est lui qui tient les cieux pour pas qu'elle tombe sur vous. Maman Allah il a dit voilà inzalata, si le ciel il avait disparu, c'est qui d'autre qui peut le faire revenir? Nous on a besoin du ciel pour faire tomber la pluie, pour que la pluie tombe. Allez, sakadali. Maintenant Allah il a dit s'il fait disparaître les cieux, qui d'autre? Quel marabout, quel intellectuel, quel médecin, quel météorologue peut faire revenir les cieux? Personne. Qui montre que les frères, c'est nous qu'on a besoin de lui.
Mais le fait qu'on a besoin de lui, Allah subhanahu wa ta'ala nous a montré qu'il aime qu'on l'invoque. Moi je viens aujourd'hui, je te dis, Akhi, donne-moi 10 euros. Tu me donnes. Demain je t'appelle, donne-moi 10 euros. Deux, trois jours après, ton téléphone, quand tu auras mon numéro, tu vas le raccrocher carrément. Lui, il me demande trop. C'est vrai, c'est pas vrai. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il aime qu'on lui demande. Vous avez vu quelqu'un qui aime qu'on lui demande? Non, une personne quand tu lui demandes trop, il en a marre, il te dit lui, il essaie de quoi? De plus te voir, quand tu lui demandes plus, mais Allah il aime qu'on lui demande, les frères. C'est ça le tayyo. Allah subhanahu wa ta'ala, on n'a pas fini. Une personne peut dire c'est tout, c'est ça Allah subhanahu wa ta'ala, non, akhi. Allah il t'a dit, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Allah subhanahu wa ta'ala, ni la somnolence, ni sommeil ne l'atteigne, Allah subhanahu wa ta'ala. Vous savez pourquoi? Pourquoi Allah ne dort pas? Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, la somnolence ne l'atteint pas, Yajama? Je pose la question, pourquoi? C'est le vivant, Yann al-Qayyum. Hein? Yann al-Qayyum. Yann al-Qayyum. Quoi d'autre, Yahri? C'est le vivant, c'est une faiblesse. Non, t'es pas loin. L'image de Allah subhanahu wa ta'ala, là, Yann. C'est des attributs des êtres humains, en fait. يختل النظام تقريبا يرفع القسط ويخفض طيب ولماذا لا ينام ان الله لا ينام ولا ينبغي ذلك لانه نعم حديث لكن لماذا السبب الله بارك الله فيك اخي l'être humain pourquoi tu dors parce que tu es fatigué vous êtes d'accord ou pas لكن الله سبحانه وتعالى لا يتعب يا اخي الله ne se fatigue pas يا جماعه. Ça fait 24 heures sur 24, tu peux l'invoquer un million de fois, il ne se fatigue pas, il te donne, il te donne, il te donne. Allah il a dit, ni somnolence, ni sommeil ne l'atteignent. Il n'est pas fatigué, il ne se fatigue jamais. Depuis qu'il a créé les cieux et la terre, il donne à tout le monde, il ne se fatigue pas. Allez, ça kadari. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال, إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. Allah il ne dort pas. Et ça ne convient pas à Allah subhanahu wa ta'ala de dormir. Parce que le fait de dormir, comme il a dit, c'est une faiblesse. Allez, c'est qu'elle a. Une personne qui dort, c'est qu'il est faible. Il a besoin de se reposer. Mais Allah, non. C'est pour ça qu'il montre que la manière dont Allah il est vivant, et nous, c'est pas pareil. Parce que lui, il est vivant, mais il ne se fatigue jamais. Mais la manière dont il est vivant, nous, on va mourir, et nous, on se fatigue toujours. C'est vrai, c'est pas vrai. Donc, pourquoi, Akhi? Un Seigneur qui te dit que moi, je ne dors pas. Tes problèmes, il ne les voit pas. Des soucis, il ne sait pas, il ne connaît pas. Mais pourquoi, Akhi? Pourquoi tu ne l'invoques pas, là? Pourquoi tu ne l'espères pas? Pourquoi tu ne le crains pas? Il t'a dit, je ne dors pas. Toute injustice que les gens ils font, je le vois tous les jours. Tout problème que tu as, je le vois, Akhi. Donc pourquoi vous allez voir autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala? C'est pour ça que je vous ai dit qu'il faut qu'on connaisse c'est quoi la vérité, ya Jama'a. On n'a pas compris encore. Allah jalla wa ala ma dha qala. قال يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم أليس كذلك يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ما معنى هذا ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala il connaît tout ce qui est passé et il connaît tout ce qui est venir يعلم الماضي ويعلم ماذا ويعلم المستقبل. Allah il dit quoi? C'est moi qui connais tout ce qui est passé et c'est moi qui connais tout ce qui est dans le futur, dans les détails. Je vous pose une question les frères. Aujourd'hui on est quel jour? Dimanche? Si chacun d'entre vous là, je vous pose la question, dimanche dernier, qu'est-ce que vous avez mangé du matin au soir? Vous vous rappelez? Qui se rappelle parmi vous? Qui me dit dans les détails hein? Le matin j'ai mangé ça, ensuite j'ai bu ça, j'ai fait ça, jusqu'à le matin jusqu'au soir. Est-ce que vous vous rappelez? Juste dimanche dernier hein? Quelqu'un parmi vous se rappelle dans les détails? Personne ne se rappelle. Hein? T'as de colo? Là. Tu sais ce que tu vas manger dimanche prochain? Vous savez ce que vous allez manger dimanche prochain? Là, y'a. Donc Allah il t'a dit, c'est moi qui connais tout. Walidalik. Allah subhanahu wa ta'ala qala fil Qur'an, Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu. Allah il sait. Mais vous, vous savez rien du tout. Walihada, quand tu veux te marier avec une sœur, tu as envie de travailler, tu ne sais pas si ce travail c'est un bien pour toi. Tu ne sais pas si cette femme-là ça va être un bonheur pour toi. Donc, salat istikhara. Le salat istikhara, ça veut dire quoi? Dedans, tu invoques Allah, si cette chose-là c'est un bien pour moi, facilite-le-moi parce que c'est Allah ici, si c'est un bien ou c'est un mal. Allez, c'est Kadari? Non.
Bon, pourquoi toi tu vas voir un voyant, il regarde dans les cartes, ah, il va savoir si ton futur. Qu'est-ce qu'il connaît lui? Il ne connaît rien. Il ne sait même pas ce qu'il a mangé dimanche dernier déjà. C'est lui qui va dire ce qui va se passer dimanche prochain. Alors, il faut qu'on se réveille, les frères. Je vous ai dit qu'il est important de connaître la vérité parce qu'on ne connaît pas la vérité encore. Toi, tu crois aux gémeaux, aux taureaux, c'est ça qui va te rappeler. Allah subhanahu wa ta'ala, ماذا قال في القرآن. Écoutez bien, pour dire qu'Allah connaît tout dans les détails. Allah قال وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. Allah dit, il n'y a pas une feuille qui tombe d'un arbre. Vous avez tout le monde entier là, tous les arbres. Il a dit, il n'y a pas une feuille qui tombe sans que je sache que cette feuille-là est tombée. Dans le monde entier, hein. Il y a certains endroits dans le monde où on n'est même pas encore arrivé. Allah a dit, il n'y a pas une feuille qui tombe depuis qu'Allah a créé les cieux et la terre sans que je sais que cette feuille-là, elle allait tomber, elle va tomber à tel endroit. Une feuille. Allah a dit, il n'y a pas une graine qui tombe dans le noir, une graine hein, qui tombe dans le noir, dans le noir la nuit, sans qu'Allah ait sans que je le sache. Allah musta'an. Allah Jalla wa'ala qala kadhalika fi ayatin ukhra. Inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wa la fis sama. Allah l'a dit, il y a rien qui n'est quoi? Il y a rien qui lui est caché dans les cieux, dans la terre. Tout ce qui se passe dans les détails, il le connaît akhi. Pourquoi je vous dis ça? Il y a certaines personnes, certains ignorants, on les entend, ils disent Allah musta'an. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il ne voit pas nos frères en Palestine, ils sont en train de se faire massacrer, il ne voit pas nos frères. On dirait Allah, il ne voit pas. Vous avez jamais entendu ça? Non. Moi, j'ai jamais entendu ça. Allah subhanahu wa ta'ala, toi, depuis que tu es dans le ventre de ta mère, Allah subhanahu wa ta'ala dit aux anges, écrivez-le lui. Il va aller au paradis, il va aller en enfer. Il sera riche, il sera pauvre. Il va vivre tant et tant de temps. Allah subhanahu wa ta'ala, tu écris pendant que tu es dans le ventre de ta mère, à 4 mois déjà, tu n'es même pas encore au monde. Allah, il sait ce qui se passe dans les cieux et la terre. Mais c'est par sa sagesse qu'il fait certaines choses. C'est lui qui sait. Nous, on n'a pas à dire, oh, pourquoi Allah ne les aide pas? Akhi, toi, t'es qui pour demander ça? Allah l'a dit, la yus'alu amma yaf'aluhum yus'alun. Allah ne demande pas pourquoi il a fait ça. Donc, si Allah il a fait que les musulmans, on est dans telle situation aujourd'hui, c'est pas pour rien, Akhi. Car c'est nous-mêmes qu'on l'a fait. C'est à cause de nous qu'on est dans cette situation. C'est pas à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa li hadha ja'a hadithun. Alladhi rawahu l'imam Ahmed. An Abi Dharr, radiyallahu anhu, qala. رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شاتين ينتطحان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبي ذر فقال يا أبا ذر أتدري فيما ينتطحان قال أبو ذر قلت لا الرسول صلى الله عليه وسلم قال ولكن الله يدري وسيحكم بينهما يوم القيامة un jour le prophète عليه السلام était avec un compagnon qui s'appelait Abu Dharr. Il a vu deux taureaux. Ils sont en train de se cogner. Ils se mettent le coup de tête. Hein? Le prophète, il a dit à Abu Dharr, tu sais pourquoi ils se cognent ces deux-là? Nous, on voit au bled, on voit les coraux, les taureaux mâles, ils se cognent. Mais sinon, on sait pourquoi. Le prophète, il a dit à Abu Dharr, tu sais pourquoi ils se cognent? Abu Dharr, il a dit, non, je ne sais pas. Le prophète, il a dit, mais Allah, il sait pourquoi ils se cognent. Et Yawm al-Qiyam, il va juger entre eux. Allah, il a dit, le prophète, il a dit, Allah, il sait pourquoi ces taureaux-là, ils se cognent. Et Allah, il va juger entre eux, Yawm al-Qiyam. Arrive. Une personne a arnaqué ton argent. Une personne, il a menti sur toi. Allah, il ne dort pas. Il sait. Il va juger entre toi et lui. Allah, il sait tout dans les détails. Ne dis pas, ouais, mais vous ne savez pas ce qui s'est passé. Il m'a fait ci, il m'a fait ça. Arrive. Si tu as fait du tort dans la dunya, il ne t'a pas demandé pardon. Il ne t'a pas donné, il ne t'a pas rendu ton dû. Arrive. Allah, il t'a dit, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Il t'a dit, je connais ce qui est passé et je connais le futur. Il y a deux taureaux, ils se cognent là. Allah, il sait pourquoi ils se cognent. C'est entre toi et ton frère. Il ne sait pas ce qui se passe. Arrive. Il sait. C'est pour ça que je vous ai dit qu'on a besoin de connaître la vérité, on a besoin de connaître le tawhid. On ne connaît pas encore ce que ça veut dire ayat al-kursi. Wa li hadha qala ahad al-ulama qala inna yawman ba'd al-malahida fa qala yawman ana akhluqu fa qila lahu fa ayna khalqak. Un jour al-mulhid, c'est-à-dire les gens qui sont athées, qui ne croient pas rien. Hein? Un jour, il y en a un parmi eux, il a dit, moi, vous, vous dites qu'Allah, il crée. Bon, moi aussi, je suis capable de créer quelque chose. Ils lui ont dit, d'accord, bah, vas-y, fais, crée quelque chose, on va voir ce que tu es capable de créer. Madaqal, il a dit, ramenez-moi de la viande pourrie, et mada, et des crottes de vache. Écoutez bien, il a dit, ramenez-moi de la viande pourrie et de la crotte de vache. On lui a ramené de la viande pourrie et de la crotte de vache. Il l'a mélangé. Lorsqu'il l'a mélangé,
Il a dit revenez dans 3 jours. Lorsqu'ils sont revenus dans 3 jours, cette viande-là et cette crotte de vache, il l'a mis dans un vase. Le vase, il l'a pris, il l'a cassé. Et il y a quoi qui est sorti dedans? Des vers. Il a dit voilà ce que j'ai créé, moi. Ah, après, il y en a un parmi eux, il a dit ah, c'est toi qui as créé ça? Il a dit bien sûr. Quand vous m'avez donné la viande, il n'y avait rien. La crotte, il n'y avait rien. Maintenant, regardez, là, c'est les vers, là. Il a dit d'accord, je peux te poser une question? Il a dit les vers, ils sont combien? Il y a combien de vers, là? Il a bégayé, il a dit, je sais pas. Il a dit, t'as créé quelque chose, tu sais pas, il y en a combien? C'est toi qui les as créés. Non, tu dois savoir, il y en a combien? C'est vrai ou pas? Chaque usine, quand ils créent des voitures, ils savent combien de voitures sortent de l'usine. Il a dit, c'est toi qui as créé ça, vas-y, dis-moi, il y en a combien? Il a pas réussi à dire. Il a dit, d'accord, tu peux pas me répondre. Je pose une question. Il y a combien de femelles et combien de mâles? Dis-moi. Il n'a pas réussi à répondre. Il a dit, d'accord, bah, tu peux me dire, les vers, là, ils vont vivre combien de temps? Il n'a pas réussi à répondre. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, depuis Adam jusqu'au dernier, il sait il y a combien d'hommes. Il sait il y a combien de femmes. Il sait il y en a combien qui vont aller au paradis. Il sait il y en a combien qui vont aller en enfer. Chaque personne parmi nous, il sait combien de gouttes d'eau t'as bu depuis que t'es né jusqu'à tu vas mourir. Combien de litres d'eau t'as bu, il le sait. Combien de nourriture t'as consommé, il le sait. Combien de temps tu vas vivre, il le sait. Right? Malish, malish. مفهوم هذا يا جماعة الله سبحانه وتعالى قال يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ثم قال له ما في السماوات وما في الأرض الله سبحانه وتعالى il a dit tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est dans la terre ça m'appartient à moi tout seul. Écoutez bien, Allah il a dit tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est dans la terre ça appartient à qui? Ça appartient à moi. L'or ça m'appartient à moi. Le pétrole, ça m'appartient à moi. Tout ce qui est dans la terre, ça m'appartient. Vous savez pourquoi ça appartient à Allah? Parce que vous ne voyez pas quelqu'un quand il est riche, quand il meurt, son argent, il part avec. Il fait quoi? Il le laisse derrière lui. Il montre que ça ne t'appartient pas. Une personne, quand tu as de la science, quand tu pars avec, tu le laisses. Quand tu as des enfants, quand tu meurs, tu pars avec tes enfants dans ta tombe, tu les laisses. Donc ton argent, il ne t'appartient pas. Allah, il t'a juste confié. L'argent que tu as là, Allah te l'a confié, voir est-ce que tu vas faire de bonnes choses, tu vas faire de mauvaises choses avec. Est-ce que tu vas le dépenser dans le halal ou est-ce que tu vas le dépenser dans le haram? Allah te l'a confié. Allah t'a donné, tu as eu 2, 3, 4, 5, 6 enfants. Les enfants, ils ne t'appartiennent pas à rien. Allah te les a confiés, voir est-ce que tu vas bien les éduquer dans l'islam ou pas. Tu meurs, tu les laisses, tu ne t'appartiens pas. Ta femme que tu as mariée, elle ne t'appartient pas à rien. Allah te l'a confié, voir si tu vas prendre soin. Mais quand tu meurs, ta femme, tu la laisses ici. Il y a quelqu'un d'autre qui la marie. C'est vrai ou c'est pas vrai? Donc Allah il t'a dit tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est dans la terre, ça m'appartient à moi. Walihada, nous dans mon pays, il y a un endroit où il y a beaucoup d'or. C'est-à-dire qu'on creuse l'or. Il y a un endroit où il y a beaucoup d'or. Vous savez ce qu'ils disent? Vous allez être étonné peut-être. Mais moi ça ne m'étonne plus tellement d'entendre des choses maintenant. Ce genre de choses, ça ne m'étonne pas. L'endroit là où ils creusent l'or, c'est comme on va dire par exemple toute la plaine. C'est un endroit où chacun vient de partout pour chercher de l'or. Là-bas, c'est interdit de crier. Haram, c'est interdit de crier là-bas. Si tu cries, te tape. Wallahi l'azim. Si tu pries, te tape là-bas. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils disent que si tu pries ici, les djinns vont partir avec l'or. Ya akhi, je vous dis quelque chose, si vous rigolez, mais c'est quelque chose de haqiq, Tania. Eux, pour eux, l'or là, ça appartient au djinn là? Hein? Allah il t'a dit, là où ma fille samawati wa ma fille l'or. Ce qui est dans les cieux, dans la terre, ça va appartient à moi. Vous me dites que ça appartient au djinn. Ça fait que quand tu pries là-bas, tu sors carrément de la plaine. Tu vas à Saint-Ouen, tu pries, après tu reviens. Parce que personne ne doit prier là-bas. Est-ce que eux, pour eux, l'or ça appartient à Allah? Ils ne savent pas. Je vous ai dit que les gens ne connaissent pas le tawhid, ils ne connaissent pas ce qui est Allah. C'est pour ça. Si toi tu sais que tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est dans la terre, ça appartient à Allah, Akhi, tu n'as pas peur de la pauvreté. En disant mon patron va me virer aussi, tu n'as pas peur. Parce que tu sais que ta subsistance, ça appartient à personne. Tout ça appartient à Allah. Mais Allah, il le confie à certaines personnes. Mais tout appartient à Allah, mon frère. Wallah. Walihada, Allah subhanahu wa ta'ala, pour lui montrer que tout lui appartient, même toi, tu lui appartiens, toi-même. Tu ne t'appartiens pas, tu appartiens à Allah. Allah, il a dit quoi dans le Coran? Qulillahumma malik al-mulki, tu'til mulka. Tasha, wa tanzi'u al-mulka liman tasha,
وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. الله الذي قل جل محمد مالك الملك سليل وذروة تؤتي الملك من تشاء إدان لا رويته كيل فيه إلا لب أكيل فيه. Il rabaisse qui il veut, il donne la force à qui il veut. Et tout le khayr, il est entre ses mains. T'as besoin d'argent? C'est entre ses mains, demande-lui. T'as besoin d'avoir des enfants? C'est entre ses mains, demande-lui. Tu veux le paradis? C'est entre ses mains, demande-lui. Allah t'a dit, innahu ala kulli shay'in qadir. Car Allah, il est omnipotent, il est capable de tout faire. Il n'y a rien qui est impossible pour lui. Wallah musta'an. Allah subhanahu wa ta'ala qal. On continue encore. Vous voulez savoir c'est qui Allah? Qala man alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Qui est capable d'intercéder auprès de lui sans sa permission? Personne. Personne. Ma ma'na hadha. Pour montrer encore que par exemple moi, j'ai donné une fessée à mon fils et je l'ai puni. Sa mère elle va venir, ouais mais laisse-le, il n'a rien fait, s'il te plaît, laisse-le. Les gens ils vont venir intercéder pour lui. Allez, c'est canal. Ou mon grand frère va venir, pourquoi tu le tapes à laisse-le? Il va dire, vas-y, viens, il va lui acheter des bonbons. Alors que toi, tu veux qu'il reste ici. Mais certaines personnes vont venir, ils vont dire, non, laisse-le. Mais Allah, non. Personne ne va venir lui demander à Allah, pourquoi tu le fais entrer en affaire, laisse-le. Sans qu'Allah, il donne la permission. Maintenant, vous pouvez venir me demander. Personne ne peut faire ça. Hormis Allah, subhanahu wa ta'ala. Même le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, yawm al-qiyam, lorsqu'il va venir faire la shafa'a, fil maqam al-mahmoud, le prophète, il va pas invoquer, il va pas implorer direct. Il va se prosterner, il va invoquer, lorsqu'Allah va le dire, « Ya Muhammad, irfa ra'saka, wa sal tu'ta, wa shfa, tu shafa. » Ensuite, Allah dit, « Muhammad, maintenant, lève ta tête, demande ce que tu veux, je te donne, et intercède, j'accepte ton intercession. » Même lorsque le prophète, il n'y a pas venu dire, « Allah, pardonne-lui, Allah, non. » Il va venir, il va se prosterner, jusqu'à qu'Allah va lui donner la permission. Ensuite, là, il va intercéder. Allah, Jalla wa'ala, قال, ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء الله سبحانه وتعالى الى جماله ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء الله سبحانه وتعالى il a dit personne ne quoi comme on va dire al-ihmad, c'est-à-dire personne ne cerne, personne ne peut cerner quoi sa science sans que ce que lui veut qu'on sache. Ça fait nous on peut pas connaître quelque chose si Allah il voulait pas qu'on sache ces choses là. C'est ça que vous devez comprendre. Tout ce qu'on connaît sur terre, les avions, la technologie, c'est Allah qui a voulu qu'on sait. Mais avec tout ça, Allah a dit quoi? وَمَا أُوتِيتُ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Mais je vous ai donné qu'un tout petit peu de science. Ce que vous connaissez par rapport à moi, ce que je connais, c'est comme si un oiseau venait et prenait une goutte de quoi? De la mer. Tout ce qui reste, c'est ma science et la goutte que l'oiseau il a pris, c'est ça que votre science. Vous ne connaissez rien. C'est Allah qui connaît tout. Allah subhanahu wa ta'ala قال وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ. Allah Jalla wa'ala, il a dit quoi? Son repose-pied. Al-Kursi. Le Kursi, c'est Maudi al-Qadam. C'est son repose-pied. Allah subhanahu wa ta'ala a dit son repose-pied, il est plus grand que les sept cieux et les sept terres. Son repose-pied. D'accord? Ne comprenez pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il a un repose-pied, c'est-à-dire qu'il a des pieds comme nos pieds. Là. Allah, il a un repose-pied, comment il est son pied? Allah wa'ala, nous, on ne cherche pas à savoir comment il est. Le prophète a dit ça en repose-pied, nous on dit ça en repose-pied. On ne cherche pas à savoir comment il est. En tout cas, il n'est pas comme le nôtre. Comme Allah a dit, « Laisse kamit li shay'un, wa wa samir al-basir. » Ce repose-pied, le prophète alayhi salam, il a dit qu'il est plus grand que les sept cieux, comme Allah a dit, les sept cieux et les sept terres. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé dans le Coran, il a dit, « Fi yawmin kana miqdaru khamsina alfasana. » Du premier des cieux, de la terre au premier cieux, il y a 500 ans. Du premier cieux, au deuxième cieux, 500 ans. Du deuxième, troisième, jusqu'au septième arrêt. 500 ans. Et que son repose-pied, il est encore plus grand que ça. Et le hache, il est encore plus grand que le repose-pied. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est encore plus grand que la hache. Tu t'imagines la grandeur de ton Seigneur? Quand on prie, on dit Allahu Akbar. Mais on ne sait pas ce que ça veut dire, Rahim. Tu ne sais pas ce que ça veut dire. Tu te dis qu'Allah, il est plus grand que tout. Et tu oses lui désobéir, tu oses lui associer à quelqu'un d'autre. Alors que tu dis qu'il est celui le plus grand. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, ماذا قال? قال ولا يؤوده حفظهما. Allah jalla wa ala, il a dit quoi? ولا يؤوده حفظهما.
ما معنى على؟ فمن احتضى لا يؤود وحفظهما؟ La garde du couteau. Le fait de préserver les cieux et la terre, le supporter, le porter, tout ça, ça ne fatigue même pas. Vous avez vu, les cieux, les sept cieux, les sept terres, avec toutes les montagnes, tous les êtres humains qui sont là, Allah dit, c'est rien ça. Ne croyez pas que c'est lourd ou ça me cause du tort pour porter ça. Allah dit, non, c'est voilà, Yahoudou, ça ne me fatigue même pas ça. Ça fait toi le fait de te préserver, le fait de te nourrir, le fait de te loger, le fait de te donner à boire, à manger, ça ne fatigue pas, Harry. Voilà, Yahoudou, Hifoudouhuma, Wahou al-Aliyou. Allah subhanahu wa ta'ala dit, c'est lui le très haut. Il n'y a rien au-dessus de lui le plus haut. C'est lui le plus haut. Wahou al-Aliyou, al-Azim, c'est lui le plus grand. Vous avez compris Ayatul Kursi, ya jama'a? Vous avez compris Ayatul Kursi? Là, ma a'tayna haqqa qadrihi. On ne l'a pas donné son vrai droit, parce que le temps il est court. Donc là, juste des résumés. C'est pour vous dire que Ayatul Kursi, chaque... Nous, on peut faire toute une conférence avec. Mais c'est pour vous dire qu'une personne qui a compris ce verset-là, Ayatul Kursi, tu ne peux pas associer à Allah subhanahu wa ta'ala. Impossible. Donc toute personne que vous allez voir, qui est associée à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qu'ils n'ont pas compris ce verset-là. Alors tout le Coran, il nous décrit Allah subhanahu wa ta'ala, mais ce verset-là, ça suffit. C'est pour ça que les djinns, ils ont peur de ce verset-là, ils ne le supportent pas. Ils ne supportent pas ce verset-là. Quand tu lis ce verset-là, ils fuient, ils ne restent pas avec toi. C'est pour ça, Iblis, alayhi la'anatullah, qu'est-ce qu'il a dit à Abu Huraira? Il a dit, veux-tu pas que je t'informe sur un verset quand tu le lis? Aucun shaitan ne t'approchera. Abu Huraira a dit, na'am. Il a dit quoi? Il a dit, ayatul kursi. Lis ce verset-là. Le shaitan ne t'approche pas, akhir. Mais comme je vous ai dit, ne lis pas ce verset-là, tu le lis et ton cerveau il est ailleurs. Lis-le et médite ce que ce verset-là il veut dire. Non. C'est moi le croyant. L'interprétation de Kursi, c'est lui qui a mis l'interprétation comme quoi Kursi c'est le repose-pied de l'Allah. Comme quoi que le Kursi c'est le repose-pied d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui a fait cette interprétation. Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas, non. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est celui qui l'a surnommé savant tarjuman au Coran. Abdullah ibn Abbas, celui qui a dit que le Kursi et tous les savants de l'Ahlus Sunnah wal Jama'a, ils sont tous d'accord que le Kursi c'est le repose-pied d'Allah subhanahu wa ta'ala. Afoumada. Mais comme je t'ai dit, ça ne veut pas dire qu'Allah il a besoin de se repose-pied. Comme on a dit, Allah il est qayyum, il a besoin de rien. Mais c'est pas la seconde. Là. C'est pas la seconde qui a fait cette interprétation. De ce que je connais, c'est Abdullah ibn Abbas. Okay. Non. Voilà, là. On va terminer par ça encore. Pour vous expliquer qu'Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-haqq. Qala ahad al-ulama nazama abyatan. Un des savants, ce qu'on a dit là, on le résume encore. Il a dit Allah subhanahu wa ta'ala Allahu haqq. Il a dit Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui la vérité. Comme on l'a vu dans les conférences, vous rappelez qu'Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui la vérité. Qala Allahu haqq awwal. C'est lui le premier. Il n'y avait personne avant lui. Allah, c'est lui la vérité. C'est lui le premier. Il n'y avait rien avec lui. Ensuite, à partir de rien du tout, il a créé les créatures. À partir de rien. Qu'est-ce qu'il a fait? Biqaulihi kun fayakul. Le fait de dire soit, et ça a été. Alors, il a dit, quand il veut une chose, il dit que la chose elle soit, elle se fait directement. Mais le savant, il a dit, bila ilajin, aw lughubin, aw nasab. Mais quand Allah il décide qu'une chose elle soit, cette chose-là, il n'y a pas de défaut à rien. Vous voyez les gens, à notre époque, quand on crée des technologies, des avions, on le teste plusieurs années avant de le mettre en service. Allez, c'est gadaï. Parce qu'on a besoin de certains défauts, mais Allah, quand il a créé Adam alayhi salam, et quand il a créé toutes choses, le moment où il a créé, tout de suite, ça a été parfait. Il n'y a pas, non, ici, il y a un défaut, attends, il faut que je refasse ça. Là. C'est lui, Allah subhanahu wa ta'ala. Chaque chose qu'il le fait, il est, la chose, elle est parfaite. Elle n'a pas de défaut. Qala sadaqa Allahu fama fi Allah in shakkun. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le véridique, il a dit la vérité. Il n'y a pas de doute, les frères. Ne doutez pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il existe. Qala malik kullu malikin wa ma malak. C'est lui le seigneur,
C'est lui le roi des rois et tout ce que le roi possède, ça lui appartient à lui. قال يسمع يبصر يحب يعجب. Allah subhanahu wa ta'ala, il entend, il voit, il aime et il s'étonne. يضحك يرضى يستجيب. Allah il agré, Allah il rigole, Allah subhanahu wa ta'ala يستجيب et il exauce. يغضب. Allah subhanahu wa ta'ala il se fâche. يطبع. Allah subhanahu wa ta'ala il scelle les cœurs des gens qui ne veulent pas croire en Allah subhanahu wa ta'ala. يرفع. Allah il élève. يعز ويذل. Il donne la force et il rabaisse qui il veut. يغفر يتوب. Allah subhanahu wa ta'ala il accepte le repentir de toute personne qui se repent vers lui. ويرحم. Et Allah il est très miséricordieux. قال يطعم ولا يطعم. Allah c'est lui qui nourrit mais personne ne le nourrit. كما قال في القرآن. قال يفعل ما يشاء لا يستكره. Allah il fait tout ce qu'il veut, personne ne le force à faire quelque chose, personne. Il fait ce qu'il veut, personne ne le force à faire une chose. قال هو بالغ تعالى أمره فما يشاء فينا يكون لو لم نشاء ولا يكون ما نشاء ما لم يشاء. Tout ce qu'Allah il veut que ça nous atteigne, ça nous arrivera. Mais nous ce qu'on veut, tant qu'Allah il ne veut pas, la chose elle n'arrivera jamais. C'est lui Allah. Wa li hada al-Imam al-Shafi'i qala qala ma tasha yakun wa law lam asha. Allah, si ce que tu veux, ça se fera même si moi je veux pas. Wa law shi'tu ma lam tasha lam yakun. Mais si moi je veux ce que je veux Allah, si toi tu ne veux pas, ça n'arrivera jamais. وقال العالم قال يرى ولا يراه منا ذو بصر حتى يموت. Allah subhanahu wa ta'ala il nous voit mais personne parmi nous ne le voit, ne le verra dans la vie d'ici bas jusqu'à que tu meurs. Allah subhanahu wa ta'ala il nous voit mais personne ne le verra pendant ton vivant jusqu'à que tu meurs. ولهذا, ça c'est très important de mettre un point ici. Car on entend certaines personnes qui disent non, Allah subhanahu wa ta'ala, on ne le verra jamais. Même Yawm al-Qiyamah, on ne le verra jamais. Ça, c'est un qawl batil. C'est une parole qui est très erronée. Ça. Une personne qui meurt et qui est musulman, qui rentrera au paradis, Inch'Allah, on verra tous Allah subhanahu wa ta'ala si on rentre au paradis. Parfois, mal, hein? Mais certains, ils se basent en disant non, on ne le verra pas parce qu'Allah a dit à Moussa, il ne peut pas le voir. Mais ils n'ont pas compris encore. Lorsqu'Allah a dit la tudrikuhu al-absar. Et lorsqu'Allah a dit, قال يا موسى إنك لن تراني. Moussa, tu ne peux pas me voir. Il se base sur ça en disant, donc, si Moussa ne peut pas voir Allah, donc personne ne peut le voir. Non, personne ne peut le voir dans la vie d'ici, on est d'accord. Mais dans l'au-delà, Allah, il n'a pas dit qu'on ne le verra pas. Il y a plusieurs ahadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle, إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ الْقَمْرَ لَيْلَةَ الْبَدْرِ لَا تُضَامُونَ فِي رُؤْيَتِهِ. Le prophète alayhi wa sallam a dit, vous verrez Allah subhanahu wa ta'ala quand vous voyez la lune. Et vous ne vous bousculerez pas, quoi, pour le voir Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, dans la vie d'ici-bas, quiconque te dit que moi j'ai vu Allah, dis-lui directement, arrête à mentir. C'est un problème. Non. Quiconque te dit moi j'ai vu Allah pendant mes vivants, dis-lui, arrête, toi tu rêves. Wa li hada Aisha radiallahu anha. Elle a dit, quiconque dit que le prophète alayhi salam il a vu Allah à son ascension, qu'il a menti. Taïe. Ma foi ma hada. Ensuite, le savant, il a dit quoi? Allah subhanahu wa ta'ala, il parle quand il veut et il dit ce qu'il veut. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne s'égare pas et il n'oublie pas aussi. Idan, si tu as compris cela, qu'est-ce qu'il t'a dit ensuite? Il a dit, si tu as compris que toutes ces choses-là qu'on vient de dire, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui, éloigne-toi de l'association. Éloigne-toi du cheikh. Si tu veux t'en éloigner, cherche à savoir c'est quoi. Car si tu ne sais pas c'est quoi, tu ne pourras jamais t'en éloigner. Qala, walaw bima fihi ikhtilaful khalqi. Même si les gens disent non, c'est pas du cheikh, c'est rien, on a le droit. Il a dit éloigne-toi de tout ça. Thumma qala, fa afriduhu jalla bil ibadati. Invoquez Allah subhanahu wa ta'ala lui seul. Adorez-le lui seul. Thumma qala, la tushriku fi naw'iha ibada. Ne lui associez dans quelque sorte d'adoration, ne lui associez pas Allah subhanahu wa ta'ala. Qal, wala tusammu waladan abda Ali. Et n'appelle pas ton fils, ne lui donne pas le nom Abdu Ali, le fils de Ali. Vous voyez, on entend à notre époque Abdu Nabi.
Vous entendez ce nom-là? Interdit ça. C'est interdit d'appeler ton fils Abdul Nabi ou Abdul Ali ou Abdul je ne sais pas quoi. Non, quand tu dis Abdul, il faut que tu mets un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Abdullah, Abdul Rahman ou Abdul autre. Si vous savez une personne qui a un nom qui s'appelle Abdul Nabi, il faut qu'il le change. Qala wala qala wala tamassu qabran ou tamsahu. Il a dit ne touche pas un tombeau ou ne te frotte pas un tombeau ou prends son sable en disant il y a de la baraka, ça me servira à quelque chose. Il a dit ne fais pas ça. Qala wala tatufu hawlahu ou tadbahu. Ne fais pas du tawaf autour des tombeaux ou n'égorge pas parce que si j'égorge ici, c'est un endroit béni, Allah il va exaucer. Non, ne fais pas tout ça. Tout ça c'est du shirk, tout ça c'est de l'association. وَلِهَذَا قَالَ لَا تَعْبُدُوهُ بِسِوَا مَا قَدْ شَرَعَ. Et n'adore pas Allah subhanahu wa ta'ala sauf comment il t'a dit de l'adorer, c'est-à-dire par la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. N'adore pas Allah par les innovations. Tu te fatigues pour rien, Allah il ne l'acceptera jamais. وَلِهَذَا قَالَ لَا تَجْعَلُوا إِذَا دَعَوْتُمْ وُسَطًا. Quand on invoque Allah subhanahu wa ta'ala, ne mets pas entre toi et son invocation et un intermédiaire. Allah bi barakati fulan ou Allah par la bénédiction de ma mère, mon père. Non, invoque Allah subhanahu wa ta'ala directement. Ne mets pas quelque chose entre toi et lui. Qala fa huwa khata'un la tadribu lillahi al-amthal. Ne donnez pas d'ego à qui? À Allah subhanahu wa ta'ala. Adunnu hadha mafhoum ya jama'a. Je pense que ça c'est clair. Qui a des questions par rapport à ça? Parce qu'on va s'arrêter là. أفضل أقف هنا والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بك نبتهج يا عيد في كل عام يا عيد الفرح والسعادة عيد الفطر